Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la première vidéo du nouveau branding de la chaîne, je suis trop contente. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo dans une thématique qu'on avait déjà faite auparavant sur la chaîne, donc on reprend la thématique patrimoine en histoire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la ville où je vis au Canada, donc au Québec. C'est la ville de Saint-Félicien, dans la MRC Domaine du Roi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc la nouvelle ville de Saint-Félicien, elle est née le 12 juin 1996 et elle est née du regroupement de la ville de Saint-Félicien et de la municipalité de Sainte-Méthode. Donc pour vous localiser tout ça, on va faire un peu de géographie. Donc Saint-Félicien, c'est à 5 heures de route de Montréal et 3 heures de Québec au nord. Donc à côté du lac Saint-Jean, c'est le troisième lac plus grand du Québec. On verra ça dans une prochaine vidéo où je vais parler du lac Saint-Jean principalement. Saint-Félicien, ça se trouve à quelques kilomètres en amont de la rivière à Chapouchouane. Il y a la route 169 qui fait le tour du lac, la route 167 qui mène à Chibougamau et au lac Albanel au nord. Et il y a aussi, elle est desservie par le chemin de fer depuis 1917. Donc au nord, il y a Albanel. Au nord-ouest, nous avons Normandin. À l'ouest, la Dorée. Au sud-ouest, le lac à Chapouchouane. Au sud, nous avons Saint-Prime. Au nord-ouest, nous avons Dolbeau, Mistassini. Et au sud-est, nous avons Mastoyatch. Ensuite, je vais vous parler de l'origine du nom de Saint-Félicien. La ville a été nommée ainsi en l'honneur de Félicien de Foligno, donc qui était un évêque martyrisé de l'an 251 par l'empereur romain Maximien. Et donc maintenant, nous allons parler un peu d'histoire de la ville de Saint-Félicien. Donc, à la base, Saint-Félicien n'existait pas et c'était la rivière à Chapouchouane qui était utilisée par les Amérindiens et les coureurs des bois comme voie de transport vers la baie d'Hudson et le lac Mistassini. En 1647, c'est le premier explorateur européen, Jean de Caine, qui cartographie pour la première fois la ville de Saint-Félicien. Et la ville est longtemps restée un lieu d'échange et comme route commerciale entre la Nouvelle-France, Cris du Nord du Québec. C'est en 1864 que les premiers colons arrivent sur les terres de Saint-Félicien et la ville est officiellement fondée en 1865. En 1870, il y a un grand feu de forêt de la forêt boréale qui prend feu et qui détruit tous les premiers établissements qui ont été construits sur la ville. Donc malheureusement et heureusement pour tout le monde, ils ont vite été reconstruits et la vie a pu reprendre de son cours par la suite. En 1875, le premier bureau de poste a été construit et en 1882, c'est la création de la municipalité de Saint-Félicien qui se caractérise par des terres fertiles autour du lac qui ont été défrichées et des forêts d'épinettes noires qui ont permis les bois de construction et de chauffage pour les premiers colons qui sont arrivés en 1864, comme je peux vous le rappeler. En 1960, c'est la création du zoo sauvage de Saint-Félicien qui est maintenant reconnu au Québec et au Canada entièrement. Aujourd'hui, la ville de Saint-Félicien, c'est la première en importance de la MRC du Domaine du Roi avant Roberval et constitue un important pôle touristique de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, grâce notamment aux zoos sauvages, comme je l'ai dit précédemment. Et l'économie de la ville repose principalement sur la foresterie, sur la papeterie avec donc le bois et le bois d'œuvre, le papier, et également de la production laitière et également du tourisme, comme je peux dire que grâce au Saguenay-Lac-Saint-Jean et également au lac Saint-Jean que nous verrons dans une prochaine vidéo, qui propose de nombreuses activités touristiques, notamment en hiver et en été, c'est pas top fait pareil.
pour ce qui est des attraits touristiques, dans notre dernière partie de cette vidéo, nous avons plusieurs choses aux eaux sauvages qui sont proposées. Le cinéma, il y a aussi donc la visite du zoo, voir tous les animaux, les ours polaires, etc. Ainsi qu'un petit train safari qui fait le tour de la forêt boréale, donc avec les animaux qui vivent dans ce milieu-là. Il y a aussi également une marina de plaisance à Saint-Félicien, donc sur la rivière à Chapouchouane. Il y a aussi la piste de course automobile qui se trouve à quelques minutes du zoo, donc c'est pour nous les Français du karting. Et il y a aussi également le centre de plein air du Toboski qui propose différentes activités selon si c'est en hiver ou en été. Il propose du ski alpin, de la glissade, du ski de fond et de la raquette, etc. Comme du fat bike aussi. Il y a aussi un planétarium au centre du Toboski et un centre de vélo de montagne, comme je le disais, le fat bike. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que cela vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses sur la ville de Saint-Félicien. Dans de prochaines vidéos, on parlera, j'espère, pouvoir parler donc du lac du Saint-Jean, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. J'espère pouvoir aussi parler de l'hiver au Canada parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et qui se termine bientôt. C'est bientôt là la fin de l'hiver et j'ai très hâte. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu en dessous de la vidéo pour m'aider, pour le référencement et pour soutenir la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Dites-moi si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous réponds à tous. Je prends le temps de tous vous répondre quand vous mettez des commentaires et ça fait très plaisir de vous lire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Pas bien. Mais je sais pas si je me mets comme ça. Je suis plus basse en mettant comme ça. Attends. Il n'y a pas à galérer. Putain. Je suis plus loin et plus basse là. Au pire, en vrai, ça va. À l'est. C'était le premier à cartographier.